Bonjour à tout le monde et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Vous avez reconnu, ce ne sont pas des aubracs, c'est un peu différent d'une aubrac ici. Et bien pourtant on est bien, il fait beau et vous les voyez ici, ils ont deux bosses. Ce sont, vous avez trois magnifiques chameaux. Je pense que Doudou, notre ski sibérien, il serait ravi de venir faire un petit tour par ici pour aller dire bonjour à ces chameaux. Ces chameaux, vous avez probablement, c'est pas probablement, c'est vous avez la possibilité de les voir au cirque Amar, qui est présent encore jusqu'au 8 mai inclus chez nous ici en Lozère. Il se situe au stade du Mérandol à Mende, cet énorme cirque ici Amar. Et vous voyez, regardez cette silhouette qui se détache comme ça sur les reliefs de la ville de Mende. Baptiste, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Allez, on va très très bien, j'espère que ça va bien pour tout le monde. On va se promener un petit peu, normalement il y a 2-3 personnes ici du cirque. Alors il est quelle heure là tu m'as dit? Il est 3h30. 3h30 à peu près, donc le spectacle démarre à 16h et il dure 2h, rendez-vous compte, 2h de spectacle. Bonjour les chameaux, comment ça va? Ah bah il dit non, c'est les mouches, on a tous le même problème hein, dès qu'il commence à faire beau. On a les mouches, ça gratte, ça frotte. Voilà, alors, on est ici au Cirque Amar, un spectacle qui dure 2h. Toi, t'es tombé dedans quand t'étais petit, tu nous l'as raconté l'autre jour. Et surtout, t'as l'initiative avec le Cirque Amar, hein, sur leur proposition. On va offrir 5 places de cinéma. Non, parce que tu as dit que c'était mieux que le cinéma, parce que c'était en vrai. Et oui, c'était réel. C'est là, rien n'est truqué. Tout est vrai au cirque. Et oui, 5 places, on fait gagner en collaboration avec le Cirque Amar. Voilà, donc sur KWZ, on fait comment pour gagner ces 5 places? C'est très simple, il faut liker la publication. Alors attention, la publication de l'autre jour, pas aujourd'hui. Hein. Ah oui, enfin, oui, celle-ci, vous pouvez la liker, mais vous descendez, c'est celle d'hier. Vous verrez, il y a une illustration avec un très joli visuel, merci. Avec le chapiteau, c'est tout jaune et c'est marqué dessus. Pour jouer, c'est ici. Et vous lisez les consignes surtout. Et oui, les consignes, c'est très important. Il faut liker la publication, il faut commenter et bien sûr la partager. Et ben voilà. Et vous êtes déjà plus de 8000 à avoir consulté cette publication. Alors on va s'approcher un petit peu. Alors le cirque Amar, pourquoi ici? Regardez, vous avez ces chameaux là qui prennent le soleil. Ils sont bien, ils sont zen, on va dire. Et les chevaux aussi. Ils sont beaux ces animaux là. Normalement, il y a le dresseur qui devrait revenir. Je crois que c'est le papa, hein, c'est ça? Oui, c'est exact. C'est Monsieur Caplot qui dresse les chameaux et les chevaux du cirque. C'est des histoires de famille tout ça. Hein. Oui, ça se transmet de génération en génération. Hein. Là, il y a le père en piste, les enfants et peut-être le petit-fils qui reprendra la suite. Ben, on l'a vu tout à l'heure, il était avec sa canne à pêche pour pas dire autre chose. Et il a du caractère, hein. Je sais pas quel âge il a, il est tout jeune, il est tout pitchoun. Il doit pas avoir 3 ou 4 ans, hein, ça m'étonnerait. En 2 ans il a. 2 ans, ben, il a du caractère déjà. Hein. Voilà, donc vous voyez les chevaux ici, les chameaux sont prêts à entrer en piste. Beaucoup de spectacles, beaucoup de numéros. Vous avez une bonne quinzaine d'artistes qui vont être en représentation avec chacun 2 ou 3 numéros et pour un spectacle qui dure 2 heures. C'est bien quand même 2 heures. Hein. Ah oui, c'est énorme. Pour le rapport qui a été pris, il n'y a rien à dire. Et même, c'est pas tous les jours en France qu'un zénith itinérant vient s'installer à Mende. Un chapiteau quand même de 1000 places, c'est énorme. Chapiteau de 1000 places avec tout ce qui va bien pour le bien-être ici des chameaux, pour le bien-être des chevaux, pour votre bien-être à vous. On va faire le tour un petit peu. On va se rapprocher comme ça de l'entrée du chapiteau. Et puis, je sais pas, il y a Monsieur Loyal normalement qui doit nous rejoindre. Il doit nous rejoindre, je crois, il nous a dit vers moins le quart. Mais si jamais on arrive à l'attraper d'ici là. Donc vous voyez, on est au stade du Mérandol. Ça se situe où juste? Ça se situe entre le lycée Notre-Dame et le lycée Chaptal, à Mende. Voilà, à Mende, on peut pas le rater. D'un côté, c'est à l'opposé d'Hyperu en fait. Oui, oui, voilà. Direction Bas-d'Arrou, direction Langogne, direction le Mont Lozère. Et vous voyez cet énorme chapiteau du Cirque Amar ici. Cirque Amar, on va le rappeler peut-être, grande, grande, grande synergie avec la Lozère, bien sûr. Ah oui, avec Marie Bonnefou, une agricultrice lozérienne qui a rencontré Ahmed Ben Amar El Ghed
Et lors de cette rencontre, bonjour, ils ont fondé le Cirque Ménagerie des Frères Amar en 1924. Et aujourd'hui, c'est la famille Caplot qui a repris l'enseigne et qui fait briller ce chapiteau rouge et or. Rouge et or, 2000 feux. Alors là, on est dans les coulisses, hein, donc c'est évident que là, c'est, mais même pour des coulisses, c'est nickel, hein. Franchement, c'est, eh bien, là, vous avez le vestiaire à droite, en blanc. Et on va aller se rapprocher un petit peu du public. Amar, le Cirque de France, production Caplot. Raconte-nous ça un petit peu, s'il te plaît, Baptiste. Ah, on est en train d'essayer de passer une barrière. On y arrive. Aïe. Alors, le Cirque de France, eh bien oui, Amar, la Lozère en France. La Lozère, bien sûr, le meilleur département français. Bah, c'est pour ça qu'on y est, hein. Ah, ben oui, c'est sûr. Et c'est un choix pour ma part. Toi, t'es peut-être né ici, mais moi, c'est un choix. Ah, ben tu vois, tu as fait un très bon choix, Eric, de venir en Lozère. Mais pour de vrai, hein. Alors, vous voyez, les familles commencent à arriver. Jusqu'à 1000 spectateurs possibles ici dans ce gigantesque chapiteau. Si vous revenez au début, vous verrez, on a des chameaux, des chevaux, et puis il va y avoir des artistes. Tout le monde arrive ici en famille. Et il se passe quoi dans cette tente qui est une tente d'approche ici à l'entrée du chapiteau? Tente d'accueil, en fait. Oui, voilà, sa tente d'accueil, c'est là où c'est qu'on reçoit le public. On peut déguster les pop-corn, les barbes à papa, les crêpes. De quoi? C'est à l'entracte. Il y a un entracte d'ailleurs ou pas? Oui, il y a un entracte, bien sûr. Ah. Une heure de spectacle, 15 minutes d'entracte et encore une autre heure de spectacle. Magnifique. Et il y a une sonnerie, il y a quelque chose? Ah, quand les lumières s'éteignent et que la musique retentit, c'est le début du spectacle. Et là, on a les frissons qui montent, hein, quand même, franchement. Hein. L'adrénaline et tout, c'est magique. Et qu'on entend les enfants faire « Waouh !» Et là, c'est parti pour 2 heures de spectacle inoubliable. Bonjour madame, bonjour messieurs dames, bonjour les enfants. Vous avez déjà vos billets? On vous a annoncé, madame, elle se sauve. Allez-y, regardez, elle est bien, ils sont bien. Vous allez voir le spectacle, vous avez déjà été au cirque? Oui. Oui, quand ça? Il y a longtemps? Oui. Bon, et qu'est-ce que vous aimez au cirque? Plein de choses. Plein de choses, et toi, t'aimes quoi? J'aime tout. Bon, bah magnifique, allez-y, foncez, on y va en famille, hein. C'est bien d'y aller en famille comme ça, madame. Hein. Ouais, bah oui, ce sera une première pour elle. Une première pour elle et pas pour vous? Non, je suis un petit peu plus âgée, donc je l'ai déjà vécu, le cirque. Bon, génial, ça fait des souvenirs en famille, hein. Voilà, regardez ici, tout le monde arrive. Oh, un professionnel de l'audiovisuel qui va voir des professionnels du spectacle. Comment ça va bien? Tu viens en famille? Eh ben voilà, en famille. Bonjour, jeune homme, tu t'appelles comment? Pauline. Et toi? Nino. Nino, mais ça c'est beau, ça, montre-moi ton joli billet du cirque Amar. Hop, je vais essayer de le mettre à l'endroit. Alors je te dis pas, toi qui es professionnel, j'ai la lumière derrière, le soleil et tout. On y va en famille, c'est bien ça, hein, c'est réservé depuis longtemps? Je crois que c'est une semaine, ouais. Ouais, génial. Ben, allez, bon spectacle, plein de belles choses. Allez, en direct sur KWZ de TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Eh ben, écoutez, je pense que ça va faire complet, hein, sur ce coup-là. Ah oui, oui, espérons comme hier, presque complet. Aujourd'hui, il faudrait complet. Ça serait bien. Voilà, et la différence, justement, entre nos métiers du spectacle, je dis nos parce que j'ai un long passif dans le milieu du cinéma, en exploitation cinématographique aussi. Et dans nos métiers, ben, quand les personnes sont en vacances, nous, on travaille. Eh oui, évidemment. Mais pour nous, c'est pas un travail, on a joué. Vous voyez, je vous disais, on y va en génération ici. Et voilà, c'est vraiment dans une ambiance très sympathique. Coucou, bonjour. Bonjour. Je disais, on y va en famille, en génération confondue, tout va bien. Ah oui, c'est sûr. Bon, c'est génial. Comment s'appelle ce petit boutchou? Lina. Lina, bonjour, jolie Lina. Bonjour. Voilà, intimidée. Elle serait tout juste. Bah, je pense qu'elle va avoir des étoiles dans les yeux dans quelques instants. Hein. C'est le principal. Vous aimez le cirque, vous, visiblement? Un petit peu, oui, ça va. Bon, ça va. Les camions, surtout. Ah. Mais il y en a pour tous les goûts, hein. Pour les camions, les environnements, des engins, etc. et tout. Et puis, bah, beaucoup de choses ici. Donc, je vous rappelle, on est ici en direct depuis le cirque Amar. Alors, on va pas vous montrer le spectacle, évidemment. Encore que, il n'est pas exclu qu'on vous montre que petit bout du spectacle, un de ces quatre. Tu vas bien nous faire des... Ah oui, bien sûr. Je vais vous montrer le début du spectacle. Peut-être pas le début du spectacle, bonjour, mais quelques extraits quand même. Mais... Là, dans la semaine, tu vas bien nous faire un petit... Ah oui, dans la semaine quand même. Peut-être tous les 2-3 jours, montrer un extrait d'un numéro.
Voilà, alors, on le disait, avec KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne, et le cirque Amar, on a la chance, vous avez la chance, et nous on est heureux, grâce avec le cirque, ce partenariat, on est heureux de vous offrir 5 places pour venir assister au spectacle du cirque. Comment fait-on, appelle-nous Baptiste, pour potentiellement gagner ces places? Mais il faut liker la publication de hier. La Hier, pour les, c'est celle de samedi, hein, pour les gens qui regarderaient en replay. Oui. Faut la commenter, et bien sûr la partager, c'est ça, liker, commenter, partager. Absolument, il y aura un tirage au sort lundi 2, on verra à quel moment, comment ça va se faire, et on va vous faire gagner ces 5 places. Il suffira, je pense, de venir se présenter à l'accueil, ici à la caisse. Regardez, on va vous montrer. Alors il y a beaucoup de monde à l'intérieur du chapiteau, on va aller faire un petit tour dans quelques instants, parce que quand on a démarré ce direct, évidemment tout le monde était devant la caisse. Vous le voyez, invitation, billet CE, ici, bah c'est fait, tout le monde arrive, rentre. Le spectacle, c'est bien en Lozère comme ça d'avoir des événements majeurs. C'est des grands événements, c'est pas un tout petit chapiteau. Bien que les petits chapiteaux soient géniaux, mais Cirque Amar, c'est une référence. Ah oui, c'est la référence de France, le Cirque Amar. Le Cirque Amar, c'est pas tous les jours qu'il peut se déplacer dans n'importe quelle ville, et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis en plus, ils ont une dextérité de folie, parce qu'ils ont des camions qui sont gigantesques, qui sont super beaux, qui sont super longs. Et dans les zigzags lozériens, à mon avis, c'est pas forcément toujours facile. Un spectacle quotidien, c'est ça? Oui, c'est ça, sauf jeudi 5 mai, que c'est le repos. Ah, ils ont le droit d'avoir une journée de repos, les pauvres? Ah ben oui, quand même, ils ont travaillé le 1er mai. Alors, donc, tous les jours, sauf jeudi, spectacle ici. Alors, comment ça se passe au juste? On va aller voir un petit peu à la caisse. Alors, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Bonjour, on est en direct sur la chaîne. Comment ça va bien? Je profite d'un petit moment, on est en direct sur la chaîne. Alors, on D'accord. vous voit pas trop, on voit les mains. c'est quoi les tarifs? Alors, on est sur plusieurs tarifs, selon les catégories en fait que vous choisissez. Si vous prenez sur des places loges, vous êtes sur les meilleures places en numéroté. C'est les fauteuils qui se trouvent au bord de piste. Bonjour. Et là, on est sur 30 euros la place par personne. Après, vous avez des places en catégorie gradin, donc c'est des places tribunes. On est sur des places 15 euros l'enfant et 20 l'adulte. Et après, il y a des tarifs préférentiels avec les places CE, CSE et tout ça. Et des invitations sur la chaîne lozérienne KWZ TV Lozère. 5 invitations qui seront distribuées demain. Ok, et bien il n'y a pas de souci. Voilà, donc les gens viendront vous voir à la caisse. Voilà, vous voyez, comme ça ici les personnes arrivent, hein, le temps qu'on en parle, je vais vous libérer l'espace quand même. Capacité de combien de personnes le chapiteau? 1200 places le chapiteau. Ah, 1200, c'est énorme, plus que ce que je croyais. Ah oui, on dirait pas, mais il y a 1200 places sur le chapiteau. Eh ben super, allez, je vous... Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour ces informations, allez-y messieurs, dames. Donc le Cirque Amar, bonjour. Faites voir un peu votre joli billet là, montrez-moi. Donc Cirque Amar, comment vous avez décidé de venir voir le cirque? Sur un coup de tête. Sur un coup de tête, vous avez vu la publicité comment? On a vu les pubs amandes et on est venu directement. Et vous arrivez de où? De Mende. Ah ben, pub amande, vue amande. Et donc du coup, qui est-ce qui a décidé? C'est madame ou c'est monsieur? C'est monsieur. Monsieur. C'est une bonne idée quand même, non? Oui, c'est une très bonne idée. Bon, vous êtes prête à manger des glaces, des gaufres, en prendre plein les yeux pendant 2 heures? Ah oui. Bon, allez, foncez. Voilà, donc oui. Oui, ben on va aller rejoindre Stéphane, il arrive. Eh ben voilà, raconte-nous qui c'est ce monsieur. C'est l'emblématique monsieur Loyal du Cirque Amar. Plus de 20 ans qu'il entre en piste pour nous faire rêver. Ben oui, parce que ça passe par là aussi. Quand on parle de télévision et de journal télévisé, les vedettes des journaux télévisés, ben souvent ce sont les présentateurs qui sont des journalistes des journaux télévisés. Bonjour monsieur. Et un cirque sans monsieur Loyal, impossible. Paraît-il. Paraît-il. Racontez-moi un peu cette belle histoire. Comment on devient monsieur Loyal? En ce qui me concerne, par passion du spectacle, des arts vivants, de la vie tout simplement, d'échanger, de transmettre, puisque quand on est monsieur Loyal, on transmet des émotions et une passion également. Et au Cirque Amar, cela fait plus de 22 ans que je présente les spectacles du Cirque Amar. Comme vous dites, et je pense que vous avez mis le doigt sur le mot qui va bien, le cirque c'est la vie. Et le cinéma, c'est bien, parce que le cinéma, ça transmet des choses. Et comme disait Baptiste, avec ses yeux illuminés, parce que lui, c'est un fan inconditionnel, vous le connaissez depuis longtemps, notre Baptiste, au cinéma, on peut répéter, on peut recommencer. S'il y a du trucage, le cirque, c'est la vraie vie. Il faut être très professionnel dans tous les sens du terme, sur toutes les représentations, les spectacles et chaque numéro.
Voilà, au cirque, tout appartient au réel. Tout peut évoluer au fil d'une représentation, en fait. Si c'est une représentation en soirée, le climat est différent. Si c'est en matinée, c'est pas la même clientèle, pas le même public. On doit s'adapter également. Et ce que je vous disais, tout appartient au réel. Au cirque, on est les derniers descendants de Molière à arriver de ville en ville avec notre chapiteau. C'est une salle de spectacle avec nos habitations. Et on s'approprie de la ville pour venir émerveiller les autochtones. Comment ça se passe pour vous, monsieur Loyal? L'intégralité des spectacles du cirque à Mars, c'est vous qui officiez? Oui, du début à la fin. Je suis présent tout au long du spectacle. Alors, il y a une trame, le spectacle est un fil conducteur, mais il faut laisser place à l'improvisation également. Puisque je le répète aussi, tout appartient au réel, on n'est plus au théâtre, on n'est plus au cinéma, on n'est plus devant son écran. Le cirque, c'est tout sauf aseptisé, puisqu'on vit une époque de communication virtuelle à outrance, où on vit une époque d'immédiateté. Ben, au cirque, les faits sont réels, donc d'où le succès que rencontre ce spectacle et l'ensemble des cirques en France qui ont retrouvé leur public, puisque la plupart des cirques en France, sans subvention du ministère de la Culture, affiche quasiment complet. Ça, c'est une très très belle chose, et en voir par la quantité de personnes qui arrivent, on en est ravis. Le cirque est en tournée toute l'année ou il y a des moments de repos dans l'année? Il y a des moments de repos, mais c'est vrai que l'époque de pandémie nous a quelque peu perturbés. On avait repris nos tournées, on a arrêté, on a repris, donc là, espérons que nous soyons partis une bonne fois pour toutes. Et alors vous, je crois que vous êtes pas loin, vous êtes voisin de la Lozère, me semble-t-il, d'origine? Je suis originaire de l'Aveyron, oui. Génial. Et alors, comment on arrive un jour au cirque à Mars, vous, pour vous? Moi, j'ai pas commencé par le cirque à Mars. J'ai eu plusieurs activités. Étant très jeune, j'étais maire adjoint de ma petite commune. Je faisais de l'archéologie à travers une association. Je m'occupais d'un musée art et tradition populaire, d'une petite bibliothèque, toujours au service des autres. Et le cirque était ma passion. Et en 1993, j'ai eu une subvention jeunesse et sport à Rodez pour exposer ma passion sur le cirque. Et après, j'ai commencé l'été avec le cirque Bouglione. Et après, ça a été le cirque Pinderjean-Richard, Medrano, etc., etc. Et puis le cirque Amar. C'est quand même que des grands noms du cirque. Il y a combien de cirques qui circulent en France? Je sais pas, aucune idée. Ah bah, même pas une... D'accord, c'est plutôt 10, 20 ou c'est non, plutôt... Non, beaucoup plus. Il y a énormément de cirques en fait, mais c'est assez aléatoire. Après, il y a des tournées qui durent un certain temps, qui durent 2 mois, 6 mois, d'autres qui tournent quasiment toute l'année. Donc voilà, mais là, il y a plus de 100 cirques en France. D'accord, et des cirques majeurs comme Amar, vous l'avez dit, comme Pinder, des grands noms comme Bouglione et des choses comme ça, c'est quoi? C'est même pas une dizaine. On les compte sur les doigts de la main. Oui, voilà, donc Amar en fait partie. Amar en fait partie, évidemment. Voilà, et nous, on a l'honneur de vous recevoir ici. Le soleil revient au moment où je vous dis ça, donc ça, c'est magnifique. La Lozère est une terre de cirque, historiquement parlant, c'est une terre de cirque, avec les frères Amar qui ont démarré leur vie circassienne ici, en Lozère, à Mende, avec la famille Bonnefou. Il y avait aussi les familles Fanny, la famille Peson, qui étaient des grands noms du cirque. Racontez-moi les deux familles, Bonnefou et Peson. Je vous raconte. Si vous voulez. C'était un an, si vous voulez, parce que c'est vraiment le cirque appartient au patrimoine français et à l'histoire. Et souvent, quand nos chers politiques ou autres, j'entends durant des périodes d'élection, quel cirque pour évoquer une belle pagaille, ils devraient venir faire un stage chez nous, peut-être qu'il sera un peu plus organisé. Alors, et le grand rapport justement avec la Lozère et le cirque, alors il y avait une histoire de loup, je crois, et que du coup ça a débouché sur un joli mariage. Voilà, l'histoire commence réellement en 1924, le mariage de Marie-Gabrielle Bonnefou, une femme d'exception en Languedoc Roussillon, enfin en Occitanie maintenant, qui a rencontré un jeune éleveur de chevaux originaire de Constantine, Ahmed Ben Amar El Ghed, qui était alors connu du tout Paris pour avoir présenté la belle Fatma au Moulin Rouge. Et cette rencontre fortuite va faire un mariage. De ce mariage, 12 enfants vont naître, et le cirque Amar débutera réellement ses grandes tournées en 1924. Donc bientôt, le cirque Amar sera centenaire. En revanche, je dois vous laisser puisque le devoir m'appelle. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Et puis alors, on a une grande dame de la nuit qui nous a quitté aujourd'hui, Régine, qui fait quand même partie du monde du spectacle.
Et le spectacle ne s'arrête jamais. Il faut se mettre en condition, ça vous y êtes déjà un peu. Et puis il y a tout un bel habit, tout un beau costume. Et par rapport à Régine, j'ai même travaillé à ses côtés dans ses boîtes de nuit. Et ben voilà, donc comme quoi la boucle est bouclée. Merci beaucoup, merci pour cet instant. Et oui, quelle heure est-il mon ami? Il est 4h moins 10. 4h moins 10, donc là il doit aller s'habiller parce que là tout de suite il est avec sa doudoune, bien qu'il fasse quand même plus de 20 degrés. Et là il va s'habiller dans son bel uniforme de Monsieur Loyal. Hein. Oui, c'est ça, de strass et de paillettes et se concentrer pour être prêt pour le spectacle. Alors regardez, vous voyez beaucoup de véhicules, il y a une quinzaine de véhicules au total qui chacun ont deux ou trois remorques derrière, c'est juste gigantesque. Les dernières personnes finissent d'arriver et puis là on va les rentrer dans le sas comme ça. Il y a le chapiteau principal qu'on voit derrière et ce chapiteau qui est l'entrée du cirque. Hein. Oui, c'est l'accueil. C'est là aussi qu'on peut se restaurer ou qu'on attend pour entrer sous ce zénith itinérant. Sous ce zénith itinérant, alors tu vois, j'étais sur 1000 places et en fait, c'est pas 1000, c'est 1200 places, c'est énorme. Alors bien sûr, tout ça, ça a des conditions de sécurité remarquables parce que bien sûr, ça fait l'objet de inspection, c'est pas le mot, mais ça fait l'objet de commissions de sécurité, donc c'est-à-dire avec les autorités qui viennent voir que vous soyez dans de bonnes conditions ici et surtout en toute sécurité. Voilà, les bons spectacles qui se respectent. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'avoir des boissons, des pop-corns, des sandwichs, des glaces, des choses comme ça, des petits goodies. Et puis, voilà, tout simplement. Et puis, si je vous dis pas, vous n'avez pas l'odeur ici sur le reportage. Mais je peux vous assurer que ça sent très, très bon. Voilà. Et déjà, on est dans l'ambiance. Hein. Ah oui, oui, de suite, avec la musique, l'éclairage, prêt pour démarrer le spectacle. Allez, on va rentrer un petit peu comme ça autour de la salle ici, etc. et tout. Je vous montre pas les secrets qu'il va y avoir, mais on va tourner comme ça ici. On va aller dire bonjour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous êtes belles et beaux toutes et tous. Comment ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors vous m'avez soufflé tout à l'heure que vous, c'est entre autres du spectacle aérien. Voilà, oui, c'est ça. Alors votre prénom? Laurie. Laurie, alors spectacle aérien, vous êtes ici au Cirque Amar depuis... Alors attendez, bougez pas, il y a des tickets, voilà, contrôle de la billetterie. Vous avez vu ça, on se croit... c'est beau, ils ont des costumes incroyables. Attention, regardez. Monsieur le placeur, il va vous installer ici. Voilà, bon spectacle. Allez, le placeur. Donc, disais-je, spectacle aérien pour votre part, entre autres? Oui, c'est ça. D'accord, et ça consiste en quoi alors? Eh bien, c'est physique, c'est aérien, c'est... Et ça, c'est depuis tout petit? Vous êtes tombé dedans il y a longtemps? Oui, depuis que je suis toute petite. C'est des histoires de famille, non? Oui, c'est ça, oui. Bon, et le pitchoun qu'on a vu tout à l'heure, là? Quel âge il a, il a quoi, 2 ans? 2 ans et demi, hein, c'est ça? 2 ans et demi, oui. Alors, lui, c'est un futur aussi. Hein. Alors là, on le verra pas, je pense qu'il est planqué, mais... Oui, là, il fait la sieste. Bon, génial, merci beaucoup. En famille, donc, disions-nous il y a quelques instants. Bonjour, quel est votre rôle ici, monsieur? Bonjour, moi, je suis le trapéziste du Cirque Amar. Donc, en fait, on fait tout. On fait l'accueil, on installe, on arrive, on donne un coup de main sur installe, parce que ça, c'est ce qu'on fait en famille, entre amis et collègues de boulot aussi, quelque part. Mais c'est une grande famille où on a toutes les fonctions. Oui, c'est ça, exactement. Ça serait trop simple de faire simplement son numéro et rester toute la journée allongé dans la caravane. On touche un petit peu à tout, et puis lors du spectacle arrive, après on quitte les gants du travail, et puis on fait place au fond de teint et au crayon noir. Et avec grande dextérité, j'imagine. Combien de numéros, ce qui vous concerne? Moi, 2 numéros. Un numéro de patin roulette acrobatique et un numéro de trapèze. Patin roulette acrobatique, c'est pas là où il faut que la mini-scène soit d'une horizontalité absolue? C'est ça exactement. Il faut bien que ça soit placé très très droit. C'est une piste qui fait 2 mètres ronds de diamètre. Et puis avec la force centrifuge, on fait des prouesses extraordinaires. Bon, je vois que la lumière est en train d'évoluer. Je vous montre pas du tout la piste, parce que ça ne se montre pas une piste tout de suite. Mais ici, on est en direct depuis le Cirque Amar à Mende, et qui va, ce cirque, vous présenter des spectacles comme ça pendant encore les 10 jours à venir. Monsieur, là, il a des hélices, regardez ça. C'est-il pas bien, ça? Les enfants, ça c'est génial, c'est quand on va dans des spectacles comme ça, c'est toujours sympa d'avoir plein de petits goodies. Voilà, alors, notre Baptiste, là tu te sens bien toi là, hein? Ah oui, moi je suis dans mon élément, tout va bien, je suis content, il y a du monde,
donc peuvent que passer un moment agréable. Et voilà, et moi j'adore, c'est les costumes. Ah oui, oui, il y a des costumes. En fait, ça fait rêver, c'est ça l'histoire, quoi. C'est vraiment bien. Donc, on vous rappelle, hein, il y a un jeu concours avec KWZ TV Lozère, votre petite chaîne et le Cirque Amar, d'ailleurs à l'initiative du Cirque Amar, on les en remercie, qui vous propose de gagner 5 places pour venir assister au spectacle du cirque. Comment fait-on ? Il faut liker la publication de hier. On était quel jour hier ? De samedi. On était samedi. Voilà, vous remontez sur le fil d'actualité à samedi, vous verrez, il y a un chapiteau avec un fond orange et jaune, et c'est marqué « C'est ici pour jouer ». Voilà, et il faut commenter et bien sûr partager la publication. Et un tirage au sort se fera demain. Et ben voilà, super. Le spectacle, je pense, va démarrer dans pas très longtemps. Donc on va pas vous faire le début du spectacle tout de suite. Et puis les dernières personnes sont en train d'arriver. Il y a des personnes aux premières loges et puis des personnes qui sont un petit peu plus. Mais on n'est pas à plus de 10 mètres ici de la piste. Voilà donc le cirque Amar, cirque emblématique ici en Lozère. Et vraiment, on est vraiment, vraiment ravis ici de les accueillir. Regardez, je vais vous montrer ce nom magique de mille feux. Je vous préserve la magie quand même. Il faut venir voir ici ce magnifique spectacle. Et pourquoi pas en remportant justement des places offertes par le Cirque Amar et votre chaîne KWZ TV Lozère. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve très très vite. Nous étions en direct ici depuis le Cirque Amar. Je vous promets, on vous montrera un petit extrait du spectacle dans les jours à venir. Voilà. A tout de suite, à bientôt pour d'autres directs sur votre chaîne lozérienne. Bon 1er mai, prenez soin de vous et puis à très vite.